Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui un album que j'ai fait sur la constellation. Mais avant tout, je voulais remercier Martine qui nous a envoyé donc des galettes de Belle-Île. Elles sont délicieuses. Donc, je voulais en parler. La boîte est magnifique. Merci beaucoup, Martine. Voilà, donc je voulais montrer la boîte et je voulais aussi remercier Myriam de la chaîne de Estelle Channeling. Yannick vous mettra ici sa chaîne, comme ça vous aurez directement. Elle a pensé à moi avec le couvert car c'est un petit bidou et il est super bien. Donc Yannick va essayer de bien remettre le couvercle parce que des boîtes comme ça, ce sont des boîtes comme les boîtes de biscuits de l'Acre. Alors je pense que je peux faire une boîte avec ce couvercle parce que j'ai des boîtes de biscuits comme ça. Et je me dis c'est impeccable. Voilà, donc je voulais parler de ça. Et aussi Myriam m'a fait une très jolie carte. Voilà, avec un petit bidou. Voilà, donc j'ai un petit mot à l'intérieur, mais je voulais vous la montrer. Voilà, donc là je vais vous montrer un album que j'ai fait sur la constellation avec la collection Prima. Donc Yannick vous remettra en barre d'information ici le haul que j'avais fait sur cette collection. Par contre, je voudrais vous dire le nom. Je vais aller voir le nom. Excusez-moi, comme j'avais fini, j'ai tout rangé. Donc c'est la collection Moonshield. Donc les papiers, enfin moi je les trouve magnifiques. Vous avez un papier avec des papillons vraiment très très joli. Et j'avais acheté tout ce qui concernait la collection, les fleurs, tout ça. Donc dans l'information, ça date du mois d'octobre, hein, je les avais achetés sur un salon, une brocante. Et voilà, je voulais faire ce petit album pour une de mes connaissances, on va dire. Donc là, ce que j'ai utilisé pour la couverture, ce sont du Sky Vertex que vous connaissez déjà. J'ai déjà utilisé plusieurs fois, donc là, cette matière pour faire ma couverture, qui se met très bien et se manie très bien pour faire un album avec de la cartonnette. Et là, c'est un peu un marron, marron cuir, on va dire, hein. C'est du faux cuir, bien sûr. Là, on voit mieux. Voilà, et c'est deux feuilles 30-30 que j'ai reliées, voyez, sur la tranche où j'ai remis un bout de papier pour pas qu'on voit la reliure, quand bien même ça se voyait pas trop. Et je les ai achetées ces feuilles-là il y a quelques mois à Cultura. Chez Cultura, ils en font et il y avait que cette couleur-là, donc j'avais pris cette couleur-là. Là, j'ai mis des fleurs. J'avais aussi dans la collection acheté les planètes, donc j'ai mis des planètes. J'avais aussi, oh pardon, excusez-moi, je fais des tons tout tourné. Ici, donc c'est une découpe qui est sur les différentes phases de la lune. Et là, c'est un tampon des ateliers de Karine avec les constellations que j'aimais beaucoup. Et ça, c'était donc un papillon qui était en die cut. Et puis des fleurs, ainsi que là, des fleurs en résine. Et voilà, donc pour la couverture. Et là, j'avais des cartes, il y a des cartes, donc j'ai collé trois cartes. Shine, ça veut dire soleil, ensoleillé, lumière, enfin c'est... Voilà, donc ce que j'ai fait pour cet album-là, alors comme vous voyez au-dessus, donc j'ai fait une partie centrale et sur chaque couverture, donc j'ai fait, on va dire, comme deux accordéons. Alors cet album-là, je ne l'ai pas fait en tuto parce que je vous le ferai en tuto certainement avec une autre collection de papier que je viens de recevoir où je vous ferai le haul, où je le trouve magnifique. Et je mettrai dedans, dans cet album que je ferai avec vous en tuto, des photos. J'ai envie de mettre les photos de mon art journal. Voilà, j'aurai déjà mon art journal pour expliquer, mais aussi, pas que de mon art journal, des photos que je prends des fois pour mettre sur mes vidéos. Voilà, ça me fait pour moi un autre souvenir. Et le papier ira très très bien avec les circonstances de la création, je trouve. Vous me direz, mais moi je trouve. Donc ça, je vous ferai une autre vidéo à part. Je voulais vous montrer l'album parce que je trouve que les couleurs sont jolies aussi et j'ai apprécié à le faire. Alors, je vous montre. Donc, sur la partie de ma gauche, j'ai fait un accordéon. Donc, j'ai utilisé les papiers. J'ai utilisé un pochoir avec de l'encre Distress Ink. Donc j'ai utilisé comme ça avec un cut and dry ou un coton ou un applicateur où j'avais acheté dans l'information que Yannick vous mettra, c'était le pochoir Constellation d'un côté et de l'autre côté, donc ça c'est le tampon, pareil vous verrez aussi je pense puisque j'avais tout acheté en même temps, ça c'était un tampon donc
constellation de florilèges que j'avais eu donc dans une nouvelle collection qui avait apparu au mois d'octobre. Voilà, donc j'ai fait un accordéon de ce côté-ci, donc, et de l'autre côté, du côté donc droit pour moi, j'ai fait la même chose en recouvrant certaines parties avec le papier en rappel, et puis j'ai fait les tamponnages comme vous voyez. Donc j'ai pas mis de photo pour l'instant puisque comme je vous ai dit, je vais peut-être l'offrir, donc ça sera pour quelqu'un qui apprécie. Et je me suis dit, si je le garde pour moi, je mettrai toujours des petites annotations ou des petits on va dire commentaires par rapport aux photos que je vais mettre. Alors le milieu, je voulais faire un U, mais ce ne sont pas des U. On va dire que, vous voyez, ce sont donc j'ai mis 6 pages, 6 feuilles. Donc on va dire que c'est des L pour moi. C'est-à-dire que j'ai fait donc une page avec un pli de 1 cm, vous verrez dans le tuto, et je les ai collés l'un derrière l'autre. Donc je vous expliquerai exactement comment j'ai fait. Donc sur la première page, j'ai voulu faire donc un cadre parce que j'avais avec les fleurs Prima un vellum derrière, et je voulais faire donc une sorte, on va dire, de pochette où j'ai mis donc une carte qui intégrera une photo derrière ou devant, c'est vous, enfin, ou je verrai, vous, si vous le faites, vous verrez, par rapport à ce que vous souhaitez mettre. Mais moi, j'ai apprécié, j'ai bien, on va dire que je me suis régalée à faire cette pochette avec le vellum. Vous voyez, on peut faire de très jolies choses, je trouve, avec le vellum quand même. Donc, j'ai fait mon cadre. Après, j'ai simplement, je voulais pas refaire un cadre entier, je voulais remettre des morceaux de papier pour rappeler le papier. Voilà, donc là j'ai fait donc simplement une pochette aussi où j'ai mis deux petites cartes où on peut mettre des photos derrière. Donc voilà, là j'ai mis du papier sur cette feuille-là ainsi que là. Là j'ai retamponné tout autour pour mettre une photo au milieu. Et voyez les planètes autocollantes, j'en ai mis une recto et une verso pour faire comme une sorte d'onglet. Je vous montre parce que je trouve que ça faisait très joli et de très belles couleurs aussi. Et donc j'ai fait de même au dos. Par rapport au pochoir, voilà, quand j'utilise, là, ce que j'ai tamponné à la Versafine Smoky Grey, j'ai oublié de vous le dire, je voulais pas mettre du noir, je voulais que ça soit un peu plus discret, voilà, et comme j'avais pris ici la grise en Distress Ink, donc là, j'ai fait une page simple recto verso où j'ai collé le papier, et là, j'ai refait de même, vous voyez, comme ici, j'avais fait une tâche, ben, j'ai collé une découpe des phases de la lune, où cette découpe, Yannick l'a fait dans une feuille de rose gold. Voilà. Donc, et j'ai remis deux petites planètes pour faire les onglets. Là, j'ai tamponné en bas et en haut. Et ici, j'ai refait une petite pochette, tout simple. Hein, simplement collée sur les trois côtés. J'ai pas fait de pliure pour faire une pochette pliée. Et j'ai mis trois, vous voyez, c'est des petites étiquettes où il y avait un petit livret avec des petites étiquettes avec cette collection. Et voilà, tout simplement, je les ai mis dedans. Voilà, donc, j'ai fini par un papier simple. Et là, de ce côté-là, donc, l'accordéon. Donc, j'ai apprécié à faire cet album. Je vais me régaler avec le papier que j'ai reçu aussi. Mais je voulais vous montrer, parce que, comme je vous ai dit, j'aime bien utiliser maintenant le papier que j'achète. Et même si moi, je prends plaisir à le faire, après, je prends aussi plaisir à l'offrir. Donc, voilà, donc pour ce papier Moonshield de chez Prima. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que je vous ai tout dit, oui. Voilà, et beaucoup me demandent si ça va mieux. Je me repose et ça va beaucoup mieux. Je vous rassure, ça va très bien même en ce moment. Donc, on va dire qu'on va essayer de continuer sur cette lignée. Voilà, et ben, je vous dis à bientôt. Je vous remercie encore d'être toutes et tous là. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.